commencer, nous allons parler un peu de philosophie du point de vue de Hollande, non pas notre président, mais du point de vue du pays de Hollande, puisque c'est un morceau qui a été composé par Jacob de Haan, qui est donc né en 1959 aux Pays-Bas. Ses premières œuvres publiées au début des années 80 lui permettent de se faire un nom dans le milieu de la musique pour orchestre d'harmonie. Parmi ses compositions les plus célèbres, on trouve toutes celles écrites dans un style proche de la musique de film, et notamment Oregon, son plus grand succès international. Diogène, le titre du prochain morceau, provient du nom du philosophe grec Diogène, qui a vécu à Sinope vers 413 avant Jésus-Christ, et qui est considéré comme le fondateur de la philosophie morale de l'école cynique. Ce morceau est composé de trois mouvements de caractère distinct qui s'enchaînent sans interruption. Chaque mouvement relate un épisode de la vie de Diogène le cynique. Le premier mouvement relate la rencontre entre Diogène et Alexandre le Grand, avec un échange de propos entre les différents parties de l'orchestre. La mort de Diogène et les courants philosophiques qu'il a initiés sont dépeints dans ce second mouvement au tempo lent. Et le troisième et dernier mouvement s'inspire des plus célèbres épisodes de la vie du philosophe. On raconte qu'il se promenait dans Athènes en plein jour, une lanterne à la main et cherchant un homme. Thank you.
Né en Grande-Bretagne en 1963, John Powell s'intéresse dès l'âge de 13 ans aux formes musicales les plus variées, du rock au jazz. En 1986, il entame des études de composition au Trinity College of Music de Londres, où il remporte ses premiers prix. Par la suite, il a travaillé à la composition de musique pour séries TV, pour spots publicitaires, pour films ainsi que pour films d'animation. John Powell a aussi travaillé avec certains des plus grands compositeurs de l'époque, comme Hans Zimmer. Voici un rapide résumé du film Dragon, film d'animation inspiré d'un roman pour enfants publié en 2003. Il s'agit de l'histoire d'Harold, jeune viking peu à son aise dans sa tribu, où combattre les dragons est le sport national.
Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent. En voici deux extraits musicaux. Dragon. Thank you.
Né en France en 1951, dans une famille de musiciens, Jérôme Nollet débute l'étude de la musique dès l'âge de 6 ans. Il obtient ses premiers prix de violon et de contrebasse au Conservatoire National de Boulogne, avant de commencer l'étude du trombone et d'obtenir au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris la première médaille de solfège en 1970 et un premier prix de trombone en 1971. Très tôt, il s'est dirigé vers la composition en écrivant des œuvres pour musique de chambre, orchestre d'harmonie et orchestre symphonique. Vent d'Est, le titre du prochain morceau, est une invitation à visiter l'Europe centrale à travers des thèmes, rythmes et danses les plus connus de cette région du monde. Après une introduction jouée par l'ensemble de l'orchestre, une succession de quatre danses interprétées par la clarinette, le saxophone et la flûte s'enchaînent. Une multitude de changements de tempo, donc de style musical, s'enchaîne, et une mazurka, danse de salon polonaise très rythmée, fait le lien vers un final ô combien compliqué à mettre en place. Vous verrez. Thank you.
Faire des répétitions à Tublize, notre chef bien-aimé nous distribue un nouveau morceau dont je m'empresse de lire le titre, La folie des grandeurs. Comme ces mots ne m'étaient pas familiers, je lus alors le nom du compositeur afin d'avoir un indice sur le type du morceau. Car je vous avoue que depuis que l'on m'a donné la chevauchée des Valkyries, je suis un peu méfiante. Il a été composé par Michel Polnareff. Naïvement, je pensais alors, chouette, un best-of de Polnareff. Je me voyais déjà interpréter l'air de France, Goodbye Mary Lou, Tout pour ma chérie, etc., tout en me demandant quel instrument allait devoir monter dans les mêmes aigus que la voix de Polnareff. Mais pris d'un affreux doute, je demandais tout de même à mon voisin s'il connaissait ce morceau. Il m'a répondu, bien sûr, La folie des grandeurs est un film culte avec Louis de Funès et Yves Montand. Tu ne le connais pas? Tu n'as encore jamais vu? Devant cette évidence, j'ai alors eu envie de lui faire la même réponse qu'une ex-Miss France. Je ne connais pas puisque je n'étais pas née à cette époque-là. Et cette phrase est véridique. Hein. Mais jugeant ce système d'autodéfense un peu facile, je préférais avouer mon manque de culture par un simple non.
Donc pour réaliser cette présentation et pour combler ce vide dans ma culture générale cinématographique, j'ai alors fait comme tout le monde Internet. Et ça, je connais, même si je n'étais pas née lorsque ça a été créé. La Folie des Grandeurs est un film franco-italo-germano-espagnol de Gérard Oury, sorti en 1971. Il est librement adapté du Ruy Blas, une pièce de théâtre de Victor Hugo. Le titre fait référence à la Folie des Grandeurs de Don Salluste, un ministre fourbe et hypocrite du roi d'Espagne, ainsi que de celle de Blas, son valet qui désire la reine. Cette dernière n'est pas innocente non plus, car on m'a soufflé une scène cultissime, en reprenant les termes exacts de ma source, où l'actrice Alice Patrich fait un striptease assez marquant devant Yves Montand. Sa pritch, pardon. Vous voyez mon manque de culture. Ce film au succès assez important comporte une dizaine de morceaux durant chacun de 40 secondes à 4 minutes, tous composés par Michel Polnareff. Et donc promis, j'essaye de regarder ce film avant la prochaine décennie. En attendant, voici les musiques de La Folie des Grandeurs. Thank you.
Merci. On va vous faire un petit bis. Alors, puisque le thème, c'est klezmer, eh bien, on va vous faire nous aussi un petit klezmer. On va essayer. Et pour cela, le groupe des quatre musiciens qui vont jouer tout à l'heure va nous rejoindre et vont jouer avec nous ce dernier morceau pour la première partie qui s'appelle le train de 7h40, qui est un traditionnel air de musique klezmer.